se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo Fimo. Voilà, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, j'en suis désolée. Mais bon, j'avais pas la tête à faire la Fimo, vous l'avez bien vu la dernière fois. Bon, j'avais tout foiré. Donc aujourd'hui, on va voir le numéro 7 et le numéro 8. Alors dans le numéro 7, on a eu un pain de Fimo, bien sûr. Donc un demi-pain. Hop, on va sortir. Donc c'est le numéro 35, voilà, on a l'endroit, excusez-moi. Le numéro 35, c'est du bleu marine, et on a eu un support de bague, puisque l'exercice de la semaine, c'est pour faire cette bague. Voilà. Et dans le numéro 8, alors là je ne l'ai pas encore ouvert, donc désolé pour le bruit. Alors dans le numéro 8, on a eu un pain de Fimo rose. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors Fimo rose, le numéro 22. Voilà. Donc c'est un rose un peu fuchsia. Et on a eu des emporte-pièces. Donc celui-ci qui fait la forme d'un pétale, on va dire. Et un petit qui est une étoile. Vous voyez, voilà. Donc on va regarder le 7 tout d'abord. Le 7, donc la première page c'est pour la bague. Hein. Après, on a comment réaliser une canne spirale asymétrique. Voilà. Donc ça, je vous la ferai certainement dans la semaine. Et aujourd'hui, donc, ce sera la bague. Voilà, avec 8 filles, bien sûr. Donc c'est une bague pyramide. Non, excuse-moi ma fifi. Hop là! Ensuite, donc, il nous montre aussi pour faire un vase spirale. Voilà. Alors le vase spirale, là je pense qu'il faut quand même deux pains de Fimo pour le faire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Quatre lignes de Fimo couleur menthe et 6 lignes. Oui, donc il nous faut plus que deux paquets de Fimo pour la faire. Donc celui-là, je pense pas que je le ferai. Après, il nous montre le porte-carte hypnotique, donc qui va être fait avec la canne asymétrique. Ici, nous montre faire des boutons gâteaux. Voilà, donc ça c'est tout simple. Hein. Une broche moustache. Donc la brosse moustache, je vais y arriver, peut être faite avec l'emporte-pièce qu'on a eu dans le numéro suivant, dans le numéro 8. Ensuite, un porte-clé Marguerite, voilà. Une petite poupée kawaii, pardon. C'est une petite indienne. Donc là, bon, il nous explique tout. Et la page de la créatrice, alors, c'est Galiblu Bijoux. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire donc la bague pyramide. Donc, il nous demande de tracer des carrés. Alors, j'ai pas préparé mon papier. Waouh, waouh, waouh. C'est bien. Très bien, Edith. T'as bien travaillé. Ah, vas-y, voilà. Hop, j'en ai sous la main. Voilà. Donc, on va prendre une page. Voilà. Donc, on peut le faire sur du carton, bien sûr, sur une feuille, hein, toute simple. Donc une règle, ça je vais le mettre là, voilà, un crayon, j'ai un crayon. Alors il faut que l'on fait un carré de 2 cm, un de 1,5 cm et un autre de 1 cm. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors 2 cm,
Donc 2 cm, ça vous fait 4 carreaux. Hein. Hop là. Je casse ma mine. Après, un de 1 cm et demi. Donc 1 cm et demi, ça fait 3 carreaux. J'ai dépassé. Voilà. Et un de 1 cm. Donc 1 cm, ben, ça fait 2 carreaux. Voilà. Je fermeterai dans l'autre sens. Donc si jamais vous voulez faire plusieurs fois cette bague, par exemple, pour offrir n'importe, bah, faites-le les carrés plus dans du carton. Ce sera plus... Au moins, vous pourrez garder le patron et ça s'abîmera moins que les feuilles. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, on va les couper. Alors, un ciseau. J'ai mes ciseaux qui collent avec le double face. Faut que, chaque fois je dis, il faut que je les passe au dissolvant. Mais je ne l'ai pas encore fait. Autant prendre un autre. Celui-là, ça va. Il n'a pas l'air de coller. Ouais, tant que je change mon tapis, je le nettoie, mais il reste sale. Je sais pas pourquoi. Tant que je le lave avec du sif et tout, la brosse, mais... Donc voilà, j'ai mis 3 petits carrés. Donc je vais prendre mon carrelage. Voilà. Et donc il faut une ligne de bleu. Donc, je prends ma lame. Voilà. Fifi, tu fais de l'ombre. On va se coucher. Fifi s'est mise à côté de la caméra, juste sous la lampe. Alors, une ligne, voilà. Et comme d'habitude, on malaxe hein, pour que la pâte soit souple. On va prendre son petit rouleau. Donc moi je prends toujours celui-là hein, en acrylique. Je préfère à celui qu'ils ont donné. Donc, je pense qu'il va me falloir quand même un peu plus de pâte. Je sais comment on fait, mais je veux suivre ce qu'ils disent, donc j'ai la revue sous les yeux. Donc là, on pose le grand carré, et on va couper autour. J'ai pris bien côté de la lame, oui. Donc comme d'habitude, hein, la pâte, on va s'en servir pour le reste, hein, bien sûr.
Voilà, j'ai mon premier carré que je mets sur le côté. Et il y a Fifi qui passe. Alors là, avec le reste, on va faire la petite et il me faut un bout de du bleu brillant qui restait l'autre jour. Donc là, on va couper le petit. Ne bouge pas. Voilà. Donc le petit effet. Voilà. Donc le reste, on peut refaire une bague ou on remet dans son pain, hein. Ça c'est pas un problème. Et là, on va prendre un petit bout du bleu brillant. Donc c'est le numéro 33. Alors j'essaie de pas me couper, de prendre la lame dans le bon sens. Donc là, il m'en faut pas beaucoup, hein. Donc si vous avez, moi je les ai, hein, mais j'ai voulu vous montrer la méthode comme ils expliquent. Si vous avez les emporte-pièces à la bonne taille, utilisez les emporte-pièces, bien sûr. Et le dernier. Voilà. Donc pareil, on va couper autour. Hop là! Pas dit on coupe le papier. Voilà. Voilà, on a nos quatre carrés. Donc là c'est très simple, on va prendre le grand carré d'abord. Voilà, on va poser le moyen dessus dans l'autre sens. J'ai la tremblote. Voilà, et le petit au-dessus. Voilà. Alors, vous voyez là, c'était super super facile, très rapide. On appuie légèrement pour bien que ça adhère. Et voilà, donc bon là, eux, ils mettent rien dessus en plus, mais vous pouvez mettre une perle ou quelque chose. Je regarde ce que j'ai sous la main tout de suite. Oui. Non, pas ça. Alors ça c'est rose. Non. On peut mettre donc une demi-perle. Ça fera plus joli. Au milieu. Donc on appuie un peu. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre au four. Donc, je vous montre ce que ça donne de plus près. Voilà. Donc là on n'a plus qu'à mettre sur sa plaque de cuisson, excusez-moi. Ça c'est des
choses que j'ai commencé mais que j'ai pas fini, je vais vous les montrer après. Donc j'ai toujours ma plaque de four avec mon papier sulfu. Pour l'instant j'utilise toujours le même, tant qu'il est propre, j'ai pas besoin d'en user un autre. Et voilà, donc on n'aura plus qu'à mettre à cuire après. Là je vais mettre en même temps que ce que je vais faire d'autre, pas la peine que j'allume le four pour une petite chose comme ça. Donc ensuite on n'aura plus qu'à le coller donc sur ce support de bague qui était fourni avec, avec un petit point de colle, et ça ira très bien. Vous pouvez aussi le fixer maintenant, hein. Si vous avez de la fimo liquide, vous mettez une petite pointe de fimo liquide dessus, vous mettez vos carrés et vous faites cuire comme ça. Mais là, je vous ai dit, je veux faire comme ils ont, comme ils le disent, jusqu'au bout. Voilà. Donc pour celui-là, bah, c'est tout déjà. Vous voyez, l'exercice est très, très très simple. Alors par contre, là pour le numéro 8, il propose donc de faire. Donc je vous rappelle, c'est avec la fimo rose numéro 22. Il propose de faire ceci. Hop, 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 là. Vous voyez, ce petit mobile en nuage. Je dois avoir une autre photo. Voilà. Voilà. Il propose de faire ce petit mobile. Donc, il a un tout petit peu plus long à faire, mais ça, c'est pas bien grave. Sinon, on a aussi, alors je vous montre dans ce sens-là, des boucles d'oreilles écaillées, des magnettes bonbons, voilà, pour mettre sur le frigo. On va peut-être faire celui-là, je pense. Un sautoir goutte ensoleillé, voilà. La barrette étoile. Bon, moi je mets pas de barrette. Hein, donc. Là, le collier, il est super beau, ça j'adore. Ça, je pense que je vais le refaire, je vous ferai une vidéo dessus. Puisque lui, c'est un collier d'une créatrice. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle... Ah oui, il faut des encres à alcool. Ouais, donc il faudra que je regarde si j'ai bien tout ce qu'il me faut pour vous le refaire. Ou alors je vais m'en inspirer en faisant d'une autre façon. Mais bon, je pense que je vais le refaire. Mais vous voyez, parce qu'il est... Bon, je vous montre pas le tuto, puisque on n'a pas le droit. Hein, Hachette serait tombé sur la vidéo. Il serait pas content qu'on montre le tuto. Et la créatrice de la semaine, c'est Croque Loisir. Voilà. Donc elle fait de jolies choses aussi. J'aime beaucoup. C'est tout mignon. Donc voilà. Alors je disais qu'on va faire. Donc du coup, je ne vais pas utiliser le rose. Je m'en servirai pour autre chose. Là, le bleu, je vais le ranger aussi après. J'en ai plus besoin. Et là, donc, on va faire un bonbon magnette. Voilà. Ça. Oups là, pardon. Ça. On va faire un bonbon magnette. Donc, je vais utiliser quoi comme couleur? Du jaune. Je vais prendre un jaune comme ça. Numéro 16. Je vais frotter mes mains parce que j'ai du bleu dessus. Nettoyer ma plaque. Alors quand vous changez de couleur, pensez toujours à nettoyer votre matériel pour pas qu'il y ait des transferts de couleurs sur votre prochaine création. J'ai même du double face qui a été scollé là-dessus. Oh là là. Voilà. Ma lame. Donc les lames, attention quand vous les nettoyez, hein, ne mettez pas ce qui est coupant vers vous. Hein. Voilà. Et on va tout essuyer au sec. Avec un sopalin. Là. Et voilà,
c'est tout propre. Mes mains aussi, donc ça va. Donc, alors, ils disent une ligne de fimo. Voilà, je vais réussir à l'ouvrir. Voilà. On va prendre une ligne de fimo. Bon, là, j'ai peut-être un peu plus, mais c'est rien. Donc, comme d'habitude, on va la travailler. Là, ça se travaille super bien. Et je vois qu'il me restait, oh, il me restait quand même du bleu sur les mains. Bon, tant pis, ça donnera un petit effet. Voyez, voilà. Et, je sais pas si vous voyez, mais voilà les traces que ça donne. Tant pis. Pourtant, j'avais bien lavé mes mains. Bon. C'est pas grave. C'est pour moi, donc. Alors, il nous faut un pareil. Alors là. La feuille est ici, je vais reprendre la même. Mon crayon, ne sortez pas. Voilà ma règle. Là, il faut 1,5 cm, donc 3 carrés sur 4,5. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carrés. Et voilà, je suis déçue que j'ai abîmé ma pâte quand même. Ouais. Voilà, ça lui donne un effet. Hein. Donc, on va l'aplatir. Alors, non, il faut une demi-boule d'abord. Donc la moitié d'une boule. Et là maintenant, vous devez faire une bande de 2 cm de large. Donc, 10 cm de long. Encore un peu. Et sur 1 mm d'épaisseur. Donc, à l'aide, je ne sais pas pourquoi ils disent de faire 10 cm de long, alors que ça, ça fait 4,5. Hein. Mais bon. Donc, il faut en faire deux. Est-ce que ça va? Encore un petit peu.
Donc là, on va couper deux bandes avec le gabarit que l'on a dessiné. Voilà. Voilà la première bande et la deuxième. Et voilà notre deuxième bande. Donc on va mettre sur le côté. Et on va repétrir ce qui nous reste. Voilà. Donc là, on va prendre nos bandes. Et là, on va faire des petits éventails, voilà, comme ceci. On les retravaillera après. Voilà. Et avec le deuxième, enfin le reste de la pâte, on va faire un petit rectangle, un bonbon. Oui, ça lui donne un petit effet à mon bonbon. Et là, on va prendre un aimant. Prendre un petit, donc on va le mettre au milieu, voilà. Et là, on va mettre nos petits éventails sur chaque bout. Donc voilà notre petit bonbon. Bon, je vous dis dommage pour la couleur, mais bon, ça fait rien. De toute façon, c'est pour moi, donc c'est pas très grave. Donc moi, je vais quand même mettre une pointe de fimo liquide. Je serais sûre que ça tient mieux. Voilà, bah, l'autre il a l'air de bien tenir, donc ça va. Donc voilà, hop là, mon petit bonbon. Voilà, j'ai plus qu'à mettre en cuisson. Et pendant que ça cuit, après je vais vous montrer les pendentifs que j'ai commencé.
Voilà. Je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est en train de cuire. Et pendant ce temps-là, alors l'autre jour, quand la dernière vidéo où j'avais raté mes fimos, bah c'est la fimo c'est devenu de la pâte beurre hein, parce qu'elle était mélangée et tout. Donc j'ai continué à la mélanger et voilà ce que j'ai fait. Donc je sais pas si vous verrez le brillant parce qu'il y avait une couleur brillante dedans. Donc ça fait comme un effet paillette. Voilà, donc là j'ai mis un petit crochet hein. Derrière c'est noir, donc là c'est pas encore poncé ni verni, je dois les terminer. Donc j'avais fait celui-là avec les pendentifs pour les boucles d'oreilles, voilà, qui iront avec. Et ensuite, alors celui-là n'est pas fini du tout, et bon, il faut que je vois parce qu'il a quand même des petits traits de, donc je vais essayer de le poncer et voir si je rattrape parce qu'il y a des petites fentes. Hop là. Bon, je me mets en face, oui, voilà. Vous voyez, ça donne des jolis effets marbrés. Et donc celui-là n'est pas terminé. Hein. Et du coup, j'ai fait cela aussi. Voilà. Vous voyez. Donc c'est dommage, je pense qu'à la caméra, vous ne voyez pas les effets brillants. Donc je dois les terminer, les poncer un peu, les vernir. Et après je ferai le montage, voilà, ce fera des normalement ça devrait faire des jolis bijoux. Celui-là j'aime bien les effets qu'il donne. Il est super chouette. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour vous montrer après cuisson. Et on fait le montage de la bague. À tout de suite. Alors, pendant que ça cuit, je vais profiter pour vous montrer comment on se sert d'un moule. Voilà. Donc là, ce sont des moules DTM. Je vous montre la marque. Pardon. Donc là, c'est un moule pour faire les petits bonhommes pain d'épices. Voilà. Et les petits bretzel, donc de Noël. Donc nous, on va faire un bretzel. Et un monsieur pain d'épices. Donc je vais utiliser alors de la cernite. Alors je pense que je vais prendre la glamour, oui. Alors là je vais prendre de la cernite. Voilà. Donc la cernite par contre elle peut se cuire entre 110 et 130 degrés. Voilà, donc une demi-heure hein, comme toujours. Mais bon, il est beaucoup plus. Il faut plutôt la faire à 130 degrés. Hein. Voilà. Bon, là, c'est pas écrit en français. Donc, on s'en fiche. Alors, par contre, je vais prendre. Est-ce que j'ai un petit bout, un petit fond de pâte pour faire les boutons? Ben, je vais faire les petits boutons en blanc. J'aimerais bien avoir un petit peu de rouge. Je ne sais pas si j'ai du rouge de mes pâtes entamées. On va regarder. C'est du rose. Oui, si, j'ai un petit bout de rouge. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup. Donc, pourquoi je vais prendre du blanc, du rouge et la cernite? Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, là, il y a le trou pour faire les petits boutons. Voilà. Et il y en a pour les deux yeux aussi. Bon, vous verrez mieux quand j'aurai mis la pâte. Donc, d'abord, un petit bout de rouge. Je ne sais pas pourquoi je lui fais des yeux rouges, mais bon. Voilà. Alors, ça, c'est de la vieille pâte, par contre. Donc, j'espère que ça va aller. On va la chauffer. Donc là, il m'en faut pas beaucoup, hein. C'est juste pour les deux yeux.
un petit bout et un deuxième petit bout. Voilà. Donc là, je vais prendre cet outil-là. J'ai oublié le nom. Enfin, bon, vous voyez. Et je vais aller mettre dans les trous des yeux. Ah oui, si je perds mon morceau. Ça veut pas. Voilà, alors. Voilà. Ouais, ma pâte est vraiment trop vieille là, donc c'est pas facile. Voilà. Bon, j'enlève le rouge qui dépasse. Hein. Maintenant, je vais faire. Alors, je vais laver mes mains parce que comme je vais utiliser du blanc. Donc pareil, le blanc, il m'en faut presque pas. Un tout petit bout. Voilà. Ça va me suffire. Donc je la chauffe dans ma main comme d'habitude. Hein. Ça change pas. Hop là, viens par ici, toi. Et donc, je vais la rouler, si elle veut bien. Pardon. Et voilà. Et donc là, j'ai un gros bouton. Et deux plus petits. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, je reprends mon outil. Et pour le coup, voilà. Et comme il a un petit nœud, bah je vais reprendre un peu de rouge juste pour faire le petit nœud. Un petit nœud avec un bouton blanc. Trop grand. Ah, le four est fini. Allez. Ah, c'est ça le problème avec la pâte, la vieille pâte. C'est que ça a du mal à tenir. J'arrive pas. Le rouge qui est en trop.
Il y a un côté qui ne veut pas tenir. Bon, ben, tant pis. Il aura... Et le bout de blanc est parti. Oh. Vraiment pas de chance. J'ai des trop gros doigts. Mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui me fait? Voilà. Ah, mais on va pas se laisser faire par un petit nœud. Donc, maintenant, je vais prendre ma cernite. Donc, il va pas m'en falloir beaucoup, hein. J'ai mal déballé le paquet. Voilà. Donc celle-là, c'est la glamour et la couleur cuivre. Voilà. Donc elle se travaille comme la fimo, hein. La chauffer. Et on va la mettre donc dans le moule en mettant bien partout. Donc vous inquiétez pas. Il y en a plus qu'il faut, mais on va couper. Hein. Là, un petit coup de rouleau. Vous voyez? Et avec votre lame, en faisant attention de ne pas couper votre moule, on va racler ce qui est en trop. Voilà, donc il a bougé, mais ça, c'est rien. On le retravaille un petit peu. Voilà. Donc avec le reste de la pâte, je sais pas si j'aurai assez là, mais j'aurai pas assez. On va reprendre un petit bout pour faire un bretzel. On fait pareil, hein. On appuie bien, un petit coup de rouleau pour bien enfoncer et normalement maintenant ça doit être bon. On donne un petit coup de lame, voilà, regardez le petit bretzel. Et maintenant alors pour démouler, vous pouvez mettre 5 minutes au frigo pour que la pâte durcisse un petit peu. Voilà. Mais sinon, ça peut aller. Voilà. Et voilà, on a mon petit bretzel et mon petit bonhomme. Alors que je l'attrape. Voilà. Vous voyez? Et mon petit bonhomme de pain d'épices. Je vais vous le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Qui, voyez, à ses yeux,
et les boutons. Donc bon, il n'y a que le petit nœud que j'ai pas su fermer, voilà. Donc après on peut le redécorer pour finir sa décoration, donc en mettant des petits zigzags aux pieds et aux pattes, et aux mains, aux pattes. Donc voilà. Et après vous pouvez en faire des pendentifs, ce que vous voulez. Et ça, donc le petit bretzel, voilà. Donc vous voyez, avec les moules c'est très facile aussi de faire de jolies choses. Juste savoir, faut bien malaxer la pâte pour qu'elle soit bien souple. 5-10 minutes au frigo et après vous n'avez plus qu'à sortir du moule et à aller finir de les décorer. Si vous voulez mettre du coulis, si vous voulez mettre comment, des strass, tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, je vais aller chercher ce qui est cuit dans le four et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est cuit. Voyez. Donc là, il vous reste plus qu'à vernir si vous le souhaitez. Là, moi, je vais le vernir après parce que je vais vous montrer comment on fixe la bague. Donc là, pour l'instant, je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu. Donc le bonbon, voyez, vous avez l'aimant en dessous. Voilà. Bon, il est bicolore, hein, il est barré. Mais bon, c'est rien. C'était pour vous montrer un peu comment on fait. Donc, vous n'avez plus qu'à le mettre sur le frigo. Normalement, là, voilà, vous voyez, l'aimant, il tient. Vous voyez, ça cuit avec, mais il n'y a pas de souci. Regardez, voilà, vous voyez. Donc, il n'y a aucun problème. Votre aimant fonctionne. Donc là, pareil, vous avez vu, j'avais mis le petit strass. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas fondu, ça n'a pas cuit, donc il est nickel. Alors vous pouvez utiliser du vernis à ongles, hein, comme je vous ai déjà expliqué, du vernis Cléopâtre glacificateur, mais celui là faudra le repasser au four. Donc le glacificateur, je vaut mieux l'utiliser pour les choses un peu plus grandes, hein, qui ont une plus grande surface. Alors moi, ici, pour coller ma bague, je vais utiliser la Glossy Accent, hein, voilà. Donc je mets toujours une aiguille au bout parce que je sais pas, cette colle, voilà, ça bouge tout le temps l'opercule et ça m'énerve. Donc on va mettre de la colle, si elle veut bien sortir, sur la bague. Voilà, et on n'a plus qu'à fixer, hop hop hop, ne tombe pas, voilà, on n'a plus qu'à fixer, à tenir un petit peu pour que ça colle, et voilà, vous avez... Voilà, désolé pour la coupure, j'avais plus de batterie, j'en ai profité pour vernir le bonbon aimant, voilà. Donc je l'ai verni avec un vernis à ongles, tout simplement. Voilà, donc je n'ai fait que sur le dessus, hein, puisque en dessous c'est pas la peine. Voilà, donc maintenant on peut le mettre sur le frigo, il n'y a aucun problème. Voilà. Et la bague, la voici. Donc moi, bon, je l'ai pas encore verni, par contre je vais la vernir. Alors, on va essayer de la mettre au doigt pour voir ce que ça fait. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est mignon. Voilà. Hop là, ici. Donc voilà pour aujourd'hui, pour la Fimo. Donc là, je vais certainement continuer à faire des petits bonhommes pain d'épices. Voilà. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Bon, les petits bretzels, bon, je vais en refaire d'autres aussi. Bon, je vais voir ce que je vais faire avec. Je vais certainement en faire des embellissements pour le scrap. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si, dites-moi si vous les avez fait également, hein, pourquoi pas, et n'hésitez pas à venir me montrer les vôtres,
toujours par le biais de Facebook hein, ou par mon email si vous le souhaitez. Et on se retrouve très rapidement, donc je ferai une autre vidéo Fimo, je vais voir ce que je vais faire. J'ai peut-être envie de tenter le collier là, je vois ce que j'ai, si j'ai tout le matériel pour le faire ou si j'ai ce qu'il me faut pour me rapprocher le plus possible du modèle qui était proposé. Donc je vous rappelle, alors c'était celui-ci, voilà, donc ce collier, hop là 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 là, ah, voilà. Donc j'ai envie de faire celui-là, on va essayer de faire pareil ou avec ce que j'ai. Comme là, bon, il faut des feuilles d'argent, moi j'ai des feuilles d'or, des encres à alcool, bon j'en ai, donc je vais voir avec les couleurs. Et après le reste, bon c'est bon, j'ai ce qu'il me faut pour le faire, normalement. Voilà. Bon, ce sera peut-être pas la même couleur, mais on verra. Bon, je vais voir si je le fais cette semaine ou si je le fais un petit peu plus tard ou ce week-end, on verra. Donc, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à venir me poser des questions en commentaire. Au passage, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et la prochaine vidéo qui viendra, elle sera pour le concours que je vais organiser pour faire gagner des dice et tampons de Noël. Voilà. Il y aura peut-être d'autres lots également, parce que je suis en train de regarder, j'ai des choses que j'avais en double déjà depuis un petit moment. Donc je pense plutôt les faire gagner que de les vendre. Bah, ça me permettra de remercier encore une fois toutes les personnes qui ont pu m'aider. Voilà. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye !